Okay, so who's talking? My name is Olive Pekeron. I'm Olive Pekeron everywhere. My blog is blog.constellationmetrics.com. And this talk is about being an awesome open source contributor. Being an open source contributor is awesome. Oui, tu peux juste un petit peu reculer. Oh. Merci. Super. Thank you very much. En réalité, j'ai vraiment pas envie de faire ce talk aujourd'hui parce que c'est un talk que j'ai déjà fait et je fais jamais un talk des fois. Donc il y aura un peu d'effet spécial. Si vous êtes là, il y a une très bonne chance que vous soyez un contributeur open source. La théorie. Et parce que choisir d'utiliser des logiciels libres, c'est déjà contribuer. Et sans des utilisateurs, et il ne va pas y avoir des gens qui vont les produire. C'est-à-dire, on n'est pas des gens bizarres. Et en plus, il y a plein de contributeurs à des logiciels open source ici, vraiment. Mais et assez évidemment aujourd'hui, si vous avez un téléphone, une box, vous êtes déjà connecté à Internet, vous êtes des grands utilisateurs de logiciels libres. Et voilà. S'il y a eu débat, c'est fini. Maintenant, on est rentré au-delà de l'âge idéologique, dans l'âge de la gestion. Et évidemment, il y a plein de types différents de contributions, plein de types différents de contributeurs. Donc, et vous voyez des fourmis, une reine travailleuse derrière. Et ça, c'est une digression. Et quand je prépare ce talk, je mets plein d'images. Et voilà, j'utilise Google Images et chercher User. Et quand on cherche User sur Google Images, on découvre qu'en gros, un user, c'est quelqu'un qui n'a pas de visage. Regardez, l'intégralité, tu vois, c'est juste user, et l'intégralité des images, c'est sans visage. En tout cas, un avis très clair, c'est que l'utilisateur est quelque chose qui n'a pas de visage. Et, voilà, peut-être les talks après ça sur le design, pour voir. Donc, différents types de contributeurs. Il y a ceux qui postent de temps en temps un petit issue, que ce soit sur les issues GitHub ou ailleurs, les commentaires qui disent « voilà, il y a un truc qui casse, il y a un truc qui ne marche pas ». Ça, c'est déjà d'une très grande utilité parce que je vous rappelle que ce soit dans la vision du code ou dans la vision du produit, il y a cette idée de « many eyes make all bugs shallow », n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de gens qui regardent et une chose, on arrive à réduire les bugs, les anomalies, et à quelque chose qui n'est pas très profond, qu'on n'a pas à aller chercher très très loin. Il y a ceux qui font carrément de temps en temps et un joli pull request. Et je dois vous dire que moi personnellement, moi je suis plutôt de ceux-là, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui publie énormément de mes projets à moi qui sont incroyablement utilisés. Mais de temps en temps, je fais un pull request et quand j'ai fait un pull request. Et donc, quand j'ai. Pour ceux qui ne sont pas trop techniques. Et en plus, même ceux qui sont très techniques et qui ne sont pas sur GitHub, les terminologies particulières. Et ça veut dire, aller sur le projet de quelqu'un d'autre, proposer et voir qu'il y a quelque chose à faire. Il y a, par exemple, une anomalie de ces bugs, essayer de produire une correction et la proposer à monsieur ou à madame. Et les sentiments vraiment de quand quelqu'un que vous admirez accepte ta poule, et c'est vraiment un sentiment. Moi, je suis Tony Arcier qui m'a accepté sur. Ah. Et voilà. Et puis il y a ces commandes mortelles, et je fais un petit peu partie à ça, aussi, qui font une petite libre. C'est-à-dire une petite libre utile à quelqu'un d'autre qui les publie en espérant que ça va servir à quelqu'un d'autre, en espérant de trouver des contributeurs qui vont nous envoyer des pulls. Et il y a des gens, évidemment, et ça vous voyez aussi beaucoup, qui publient des librairies plutôt inutiles et méchantes et désagréables
et avec du JS mal écrit. Et la seule raison pour laquelle j'ai tanné ces trucs-là, c'est parce que là, on voit un... Ah non, on ne le voit pas là. Non, mais il y a un commentaire de comique. Ah oui, non, je ne sais même pas, c'est le nom de ces fichiers-là. jQuery Sax. Non, merde, tu vois, merde. jQuery, ouais, il est peut-être dépassé idéologiquement, machin, mais dire ça, c'est méchant. Et, tu vois, plein de gens de bonne volonté ont bossé à mort sur jQuery, et jQuery doesn't suck. Encore une digression. Donc, en gros, l'autre chose qui sac là, tu vois, dans ce truc-là, c'est que ça s'appelle MyLib. Et je sais pas, toi, moi je code depuis 30 ans, et le grand ennemi du développeur qui code depuis longtemps, c'est MyLib. C'est pire que MyFramework. C'est horrible, quoi. Et il faut que un truc qui s'appelle MyLib, butez-le tout de suite et utilisez leur lib. Et à la fin, on a évidemment tout un ordre de la chaîne. Et on a les gens qui doivent maintenir et quelques dizaines de millions de lignes de code. Et... Merci, Linus. Donc, et en gros, maintenir un projet open source, c'est quelque chose de difficile. Et certains développeurs et contributants qui ont le droit à avoir 366 jours par an. Ça, c'est les câbles. Et se faire croire. Et il y a des gens qui contribuent à des centaines de projets. Les pull requests, c'est-à-dire, il y a nous, les petits peuples, qui font les pull requests, mais la chose intéressante, c'est que ces gens en haut de la pyramide, ils font les pull requests aussi. Ils maintiennent parfois quelques dizaines de projets. J'ai fait un truc de la page de Steve Klavnik, tout le monde qui me connaît sait que j'aime beaucoup Steve Klavnik, et ça rentre pas, c'est trop gros. On peut pas faire. Mais évidemment, quand on maintient quelques dizaines de projets, il est difficile d'être un intérêt égal, et là, il y a un problème. Et nous, en tant qu'utilisateurs d'open source, du temps pour essayer de savoir si un projet est maintenu ou non. Nous cherchons des indices sur GitHub, voir c'est quoi les dernières pull requests, combien de commits, est-ce que les travis sont verts. Mais les travis, ça ne suffit pas, parce que si les tests eux-mêmes ne sont pas maintenus, le fait que travis soit vert, donc il faut regarder sur CodeClimate, peut-être ça pourrit, mais peut-être vous n'êtes pas rubiste, donc peut-être vous n'avez pas CodeClimate. Donc on demande des questions sur Twitter, sur Stack Exchange, et parfois nous décidons de ne pas utiliser un projet bien qu'il est bien joli, parce qu'on a peur qu'il ne soit pas maintenu. Et ça c'est une super blague. Mais il marche en anglais. C'est ça le problème de refaire des presses qu'on a déjà fait. Et aller voir les trucs en anglais. Et donc, en tout cas, et en plus, de temps en temps, on voit ces commentaires assez désagréables, d'accord, sur les commits, tu vois, qui est les plus one sur GitHub. Plus one. Merde, plus one. C'est ça ta contribution, plus one. C'est juste pour culpabiliser quelqu'un et dire, moi je fais ça, c'est, le mec, il n'est pas payé par vous. Et c'est un problème. Donc, AR, c'est une agence d'adoption pour des dépôts abandonnés. En gros, c'est yet another badge, comme si on n'en a pas suffisamment sur GitHub. Et mettre un badge, on dit est-ce que c'est maintenu, pas maintenu. Et on extrait des vraies données à partir de l'API de GitHub, à partir de Travis, à partir de CodeClimate, à partir de toute autre chose qui peut nous donner des indices. Est-ce que c'est oui ou non maintenu. Par exemple, si un README vient d'être ajouté, 10 points. Et si les maintainers ont accepté un ou deux pull requests, quelques points supplémentaires, si ils ont effacé beaucoup de code, 1000 points. Et on suit les matrices, ces métriques au jour le jour, et puis pourquoi pas, on aura peut-être des mails. De nos jours, les mails, c'est devenu très cool. Et voilà, qui disant, voilà, celui-là, il est très utilisé, tu t'en occupes pas, c'est méchant. Ou celui-là, waouh, t'as vraiment bossé. Voilà, un écureuil. Et le motivational spirit, c'est ce qu'on appelle le motivational spirit. Les écureuils motivationnels. Et si l'info est maintenue par exemple, et celui-là n'est pas, avoir un mécanisme super simple qui permet d'être sur la page GitHub, sur la page SourceForge, si ça existait encore, avoir les liens qui disent voilà, ça c'est le dépôt où ça vit maintenant. Permettre aux maintainers de le configurer. Donc le but est d'essayer d'aider les maintainers à être meilleurs, avec moins de pression, moins de culpabilisation, leur donner des retours positifs, les écœurer. Et leur permettre de dire voilà, celui-là je l'abandonne, celui-là. Il a bien vécu, ou au contraire, maintenant il est grand, il périve tout seul. Allez l'accompagner. Donc, pony, écureuil, pirate, bébé, chaton. Et dire voilà. Et j'y vais à moi.
ça veut dire d'abord que je m'engage à le maintenir ou à le faire en tête. C'est bon. Allez, continue. Afin d'être un awesome contributeur, et afin que ça devienne plus simple, il y a un début de code. Voilà, je n'ai pas vraiment contribué, moi. Donc, j'abandonne. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, on en parle parce que voilà, c'est un side project. Hein. Merci. Évidemment qu'elle aurait des questions. Ouais, oh non. Ah, mais non. Quelqu'un d'autre. Ok, donc en gros, comme je dis, donc c'est pas nécessaire parce que le niveau de SEO que je gère moi est tel que, voilà, je m'appelle Ori Pekelman. À partir de ça, vous allez le trouver, vraiment, vous allez le trouver. Donc, sinon, ok, celui-là est un peu difficile et il connaît pas GitHub. GitHub, c'est github.com. C'est pas .net, pas .fr. Même si j'ai fait la prise en français, ça veut pas dire que GitHub devient github.fr. Est-ce que quelqu'un testait si github.fr existe? Et pardon, hop, on va tous apprendre quelque chose aujourd'hui. Hop, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Boum, email marketeur. Donc, tu vas sur github.com/oripekelman, tu vas trouver... Ah, mais merci beaucoup, Simon, merci, tu as raison. C'est, voilà. Non, c'est l'anglais d'avant. Et en plus, regardez les gens très sérieux d'ici. Autre question. Eh, c'était pas un troll. En plus, c'était pas. Comment est-ce que qu'est-ce qui t'est arrivé là? Il est fatigué. Donne-lui une bière. Et j'ai pas fait ça sur cette presse, sur la vraie version. Il y a un projet qui s'appelle Still Maintained, qui en gros a ça comme idée. Il a un problème de modèle. Dans le sens où il faut aller sur Still Maintain pour savoir, et tu dois taper le nom du projet pour savoir s'il est maintenu ou non. J'imagine que plutôt la bonne idée, ce serait d'aller regarder les codes de leur côté et voir si on ne peut pas faire quelques pull requests là-dessus, et peut-être tout est déjà à moitié fait. Et il y a des choses super intéressantes dans cette chose-là qui n'ont rien à voir avec ces trucs spécifiques, et qui est plutôt d'essayer de voir, donc on a une conscience, une connaissance, tous, qui codons. De ces coins, ces métriques des projets vivants, des projets pas vivants, c'est quoi le smell qui dit un projet maintenu, je vais l'utiliser. Et je pense qu'il y a une source d'information non exploitée incroyablement importante. Et pour moi, l'intérêt principal, c'est ça. C'est quoi les métriques que je vais essayer d'extraire pour dire un projet est bien vivant, il est maintenu, il a besoin maintenant d'aide. Et un peu, tu vois, suivre la dépression, tu vois, il y a un truc de vraiment dépression nerveuse de ces projets, et dire, celui-là est un risque, je l'aime bien, il est un risque, et lever l'air. Donc je pense que là il y a les amis data scientists, peut-être, voilà. Donc, next, non? Ou autre question, je sais pas. Il va s'échapper, donc allez-y, poser des questions. Ouais. Bah, plus une remarque qu'une question, c'est est-ce qu'on risque pas de tuer un peu les projets prématurément en renforçant les projets qui sont bien maintenus et en détournant les projets moins bien maintenus, les gens qui se posent la question? Je pense pas du tout. Donc je pense que la première action que tu fais, en gros, est un peu comme celui-là, d'accord, j'ai pas encore mis les badges, d'accord, je pense que la première action que tu veux faire souvent avec un projet, c'est de l'abandonner. Parce que, je ne sais pas vous, mais combien de projets, si parmi vous il y a des gens qui ont publié des projets, mais après, comme ça, tu vas dans les abandonware de GitHub, et le dire tout de suite, c'est une chose super importante. Parce que ça permet précisément, si quelqu'un est intéressé, un projet qui sinon n'aura aucune vie, c'est-à-dire aura zéro contributeur, quand tu dis dès le départ, écoute, je ne suis pas sûr que moi je vais le maintenir, je pense qu'il y a plus de chances à ce que des gens se disent « Ok, c'est clair, l'engagement est clair. » Moi, le truc là, ça vient des... qui ici utilise HipChat ou Campfire? HipChat, Campfire, personne? Oh merde! Qui ici connaît HipChat? Et vous ne l'utilisez quand même pas? Merde!
Et donc, est-ce que vous avez une alternative à Ipchatea? Qu'en faire? Oh, donc screen. Screen sur une daddy box. C'est ça votre solution industrielle à revenir dans les contextes des discussions d'une dizaine de personnes autour d'un projet super sécurisé, évidemment, parce qu'il est fini, non, c'est ça. Donc moi j'avais, tu vois, moi j'aime bien HipChat, parce que voilà, ça permet de parler avec des gens qui sont des graphistes et qui peuvent coller leur JPEG et qui auront du mal à le faire sur IRC. Mais je suis un libriste et j'aime bien quand ce type de choses sont de l'open source. Et il y avait un projet qui s'appelle Kandam, qui fait précisément HipChat. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à comprendre si les mecs qui ont publié Kandam comptent les maintenir ou non. Les derniers commits, il y a 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, c'est, le truc est venu de là, parce que là, vraiment, je n'ai pas réussi. Et Open Indiana, et je ne sais pas, et sur les derniers mois, j'ai dû avoir, je ne sais pas, une dizaine de projets où je me suis dit, mais non, je ne sais pas, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup.